Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans, le plan physique, émotionnel, mental et énergétique. J'ai plusieurs casquettes pour cela. Je suis diététicienne, praticienne Reiki et je me suis formée dans des outils comme la radiesthésie, l'EFT ou encore les thérapies cognitives et comportementales. Aujourd'hui, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je fais beaucoup de vidéos sur les troubles du comportement alimentaire, l'acceptation du corps, j'ai même fait des vidéos de recettes, mais aujourd'hui je voulais vous présenter, faire une vidéo un peu spéciale et parler de bien-être et vous présenter eh bien, des thérapeutes qui ont des pratiques, qui utilisent des outils qui sont complémentaires et qui peuvent aussi vous aider justement dans ce cheminement, ce développement que vous avez, ce besoin d'aller plus loin et de découvrir qui vous êtes et de faire finalement la paix avec vous-même. Et donc aujourd'hui, je suis accueillie par Emmanuelle qui donc nous reçoit dans son cabinet et elle va tout simplement vous raconter son histoire, les différentes casquettes qu'elle a, elle aussi, parce qu'elle en a aussi plusieurs. Et voilà, elle va vous raconter un petit peu comment est-ce que ça peut aussi vous aider justement si vous êtes en quête de bien-être, si vous avez besoin de mieux vous connaître, vous comprendre et d'évoluer sur un chemin, on va dire, spirituel qui va englober donc toutes ces dimensions, toutes les sphères finalement de votre vie. Voilà, donc bonjour Emmanuelle. Bonjour. Et merci. Mais je t'en prie. Et vas-y, je te laisse la caméra, le champ merci. Libre pour expliquer du coup tout ce que qui tu fais. Suis, ce voilà. Que je fais. Alors, moi je suis donc Emmanuelle Perrin, naturopathe, iridologue, qui est un bilan de santé par observation de l'iris de l'œil. Je fais également des soins d'énergétique asiatique. Donc là, c'est des techniques qui regroupent des techniques de shiatsu, fasciathérapie, pour justement relâcher les tensions et pouvoir travailler aussi globalement sur le corps, mais les émotions, les fonctions, la physiologie. Je fais également du Reiki et je donne aussi un cours de Son Mudo, qui est un art martial zen coréen qui regroupe en gros de la gym zen, des yogas, des qigong, tai chi, des enchaînements martiaux et la méditation. Le cœur de cet art martial, c'est la méditation, puisque c'est un art martial zen. Les gardiens qui en sont, les personnes qui en sont les gardiens, c'est des moines bouddhistes en Corée. Voilà. Et donc je suis venue en premier dans le bien-être par la naturopathie. En fait, j'ai eu d'abord mes enfants, avant d'être naturopathe. Et un jour, on m'offre un livre justement sur les grandes lignes. Donc c'est Michel Dognard hein, qui est quand même assez connu dans le domaine. Les grandes lignes de la naturopathie. Et en voulant le meilleur pour les enfants, je me suis renseignée, j'ai évolué dans ce savoir. Et après, vraiment est née la conviction de tout le monde a le droit de connaître d'autres, de bénéficier aussi de d'autres techniques, d'autres façons de prendre sa santé en main en fait. Donc la naturopathie, la base, c'est aussi effectivement l'alimentation. Hippocrate disait que ton aliment soit ton seul médicament. Normalement c'est ça la base. Après il peut y avoir le conseil de compléments alimentaires quand il y a déjà des troubles de santé, des symptômes pour régler. Et on voit aussi, bien sûr, que la part émotionnelle influe toujours le corps. Donc, les conseils d'élixir de fleurs, docteur Bach très connu, mais d'autres conseils sur l'équilibre émotionnel à avoir, des petits outils à poser dans le quotidien, en fait. Oui, tu me parlais des affirmations positives, etc. Technique de respiration abdominale, ou des musiques de fréquence aussi, les écoutes de musique apaisantes. Oui. Voilà, donc, différents outils possibles parce que ça prend en compte l'être humain dans sa globalité. On ne peut pas laisser l'émotionnel de côté. Non, c'est pas possible. C'est la base pour celles qui nous regardent et qui ont effectivement des troubles du comportement alimentaire, mais finalement pas que. Mais voilà, je vous cite vous parce qu'effectivement, ces troubles-là sont vraiment très très liés à votre monde émotionnel et c'est vrai que pour celles aussi qui ont travaillé déjà avec moi, vous savez qu'on parle beaucoup de ce volet émotionnel, que toutes ces émotions là, toute cette énergie en fait qui n'est pas libérée, qui est toujours cristallisée en vous, elle va avoir un impact sur tous les autres plans, hein, sur le plan physique, les maladies, mais aussi sur le mental, sur l'énergétique, déséquilibre des chakras, etc. Donc c'est vraiment un plan, les émotions. Et puis voilà, évidemment, dans notre société, en tout cas occidentale, eh bien, on ne nous apprend pas
à gérer les émotions, plutôt à les réprimer. Donc c'est vraiment important à l'âge adulte de pouvoir justement avoir cette démarche, déjà de comprendre l'importance de libérer ses émotions, mais après d'avoir plusieurs outils, parce que comme tu dis, il y a vraiment plein d'outils différents et c'est important que vous puissiez pratiquer. C'est vraiment aussi l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir tester plein de choses différentes parce que on est tous différents, on est tous uniques. Oui. Donc, c'est important de pouvoir expérimenter et vous puissiez faire votre propre sauce, votre propre rituel et voir quels sont les outils qui fonctionnent bien avec vous, sachant que peut-être que ça fonctionnera bien quand vous aurez 30-40 ans et qu'à 50-60, il en faudra d'autres. Oui. Peu importe, mais c'est important d'avoir cette ouverture en fait, d'esprit sur tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut vous aider tout simplement à cheminer. Bon, du coup, je te laisse continuer. Parle-nous peut-être un peu du coup de... Alors, l'iridologie, peut-être, c'est intriguant. Alors, voilà, l'iridologie. Moi, je pratique ici en cabinet, donc à la loupe optique éclairante pour pouvoir bien voir les yeux. Et en fait, ça donne les indications du terrain de la personne. Il y a des cartographies, les correspondances des zones de l'iris avec le secteur tête, les glandes endocrines, poumons, foie, enfin voilà, on a toutes les zones. Et donc, on observe les signes d'affaiblissement ou d'inflammation, l'impact de l'alimentation aussi, donc sur le terrain. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois très flagrantes, mais ne pas non plus faire de, somatiser, dans le sens je vois ça dans l'œil, donc il va se passer ça. Non, ça fait partie du terrain. Ça peut par contre être des pistes de prévention aussi. D'accord. Donc c'est intéressant de faire un bilan iridologique aussi. Qu'on est plus à même de faire telle ou telle une inflammation à tel endroit, ça permet là de savoir un peu... Exemple, s'il y a une faiblesse poumon, tiens, on peut travailler à renforcer ce secteur-là. Oui, d'accord. Avec des plantes ou autres, parce qu'on cite toujours les plantes, mais les gammes de compléments, on a plein d'outils. Dame Nature nous a donné beaucoup de choses. Oui, et puis la médecine allopathique, c'est quand même servi à la base des plantes. Donc, l'origine, c'est ça. Ouais. Donc c'est important. Oui. D'accord, donc c'est vraiment un outil du coup de prévention pour savoir, du coup pour cibler encore plus quels outils on peut avoir besoin. Et on fait un bilan, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc il faut... minimum 6 mois, voire 1 an, avant qu'un signe irien, on l'appelle comme ça, quelque chose, un signe dans l'œil observable, change. À partir du moment où je mets quelque chose en place. Réglage alimentaire, prise de compléments et tous les outils émotionnels, puisque l'impact du stress, on le voit direct aussi sur l'œil, c'est direct. Ouais. Donc, d'avoir fait, par exemple, à nouveau un bilan à des patients, ça arrive, on le fait un an plus tard, et on voit les différences, ça a bougé. D'accord. Il y a des choses qui bougent. Voilà, justement, quand on a pris contact toutes les deux, c'était un domaine qui me titillait parce que pour moi, l'œil ne changeait pas, la couleur de l'œil ne changeait pas et le fait est que si, ça change et que du coup, il y a même un métier qui permet de voir ça. Donc, c'est vraiment intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas vraiment en fait. Non, alors que c'est très ancien. D'accord. Très ancien, c'est du 19e siècle. D'accord, oui. C'est quelques années. Oui. Voire moins que ça, je me souviens plus, c'était un Hongrois, monsieur Pexeli, qui, la petite histoire c'est ça, il avait une chouette qui avait des grands yeux, donc elle avait une patte cassée. Il a soigné, et elle avait une tache à l'œil, dans l'iris. Et il observait. Et au fur et à mesure qu'il soignait l'animal, hop, la tache disparut. Donc ça lui a dit, faut aller chercher, pareil, un truc. Ouais. Et une correspondance. Oui, c'est intéressant. Ok. Donc voilà, petite histoire. Oui. Ok. Et après, l'outil énergétique asiatique, je trouve que c'est un très bon complément parce que c'est indispensable de faire le réglage et bilan naturaux, alimentation, on check ce qui a comme déséquilibre déjà. Mais après, cet outil-là d'agir sur les méridiens, en fait, les points d'acupuncture, aller détendre les tissus et tout ce qui a pu s'enquister en fait dans les tissus. D'accord. Et voir justement aussi le rééquilibrage pareil sur l'émotionnel, puisqu'à chaque organe correspond une émotion. Oui, et après tout est connecté, c'est ça. C'est imbriqué, connecté, c'est un peu tous les mots à la fois. Mais il y a des personnes qui viennent à la naturo et découvrent après le soin énergétique, ou inversement, des gens qui au départ voulaient simplement recevoir le soin, la séance, et puis se disent, effectivement, en parlant, y a besoin de faire le point en naturo aussi. D'aller plus loin. Voilà. D'agir en profondeur. C'est ça.
C'est l'objectif, hein. C'est toujours aller en profondeur et creuser. Et plus on creuse et plus on trouvera des choses à faire, à tester, à pratiquer. Mais c'est le chemin de la vie, c'est le jeu de la vie. J'aime bien employer le mot jeu parce qu'il faut voir ça comme un jeu et une découverte et pas comme encore des choses. Et bon, ça après, on part dans le mindset et dans l'état d'esprit, mais c'est ça, c'est vraiment... On explore, comme des explorateurs, on découvre des choses sur soi et ça peut être passionnant. Ça me fait penser à la chose qui me vient, c'est... J'ai eu une femme au téléphone récemment qui a donc des crises de boulimie et elle me disait, elle me dit, je sais pas si vous allez me croire ou pas, mais elle me fascine, cette maladie. Ça la fascine en fait parce que c'est tellement complexe, ça agit sur tellement de choses de volées et puis chaque personne qui a des crises de boulimie a une origine différente parce que voilà, il y a des facteurs communs, mais après c'est bon qu'elle en ait cette vue là déjà. Oui, je lui dis que déjà c'était très positif et qu'elle avait fait un pas vers sa guérison déjà, de prendre déjà de ne plus s'identifier à la maladie en disant je suis boulimique, mais déjà de dire que j'ai des crises, déjà ça apporte une distance. Mais voilà, elle dit ça me fascine parce que il y a plein de choses, c'est complexe, ça me fait du bien et en même temps ça me fait du mal. Voilà, c'est vraiment tout ce jeu parce qu'il y a plein de choses différentes et travailler sur tous ces volets-là, voilà, c'est toujours intéressant. En tout cas, elle le voyait, elle, du côté plutôt intéressant de la chose. Qu'est-ce que ça va me servir plus tard? Ça va me servir à d'autant mieux et plus me connaître en fait, et pouvoir avancer dans ce rythme là et toujours affiner et avoir ce cheminement de plus en plus précis et adapté à sa personne, quoi, à son âme, à qui elle est. Voilà, donc oui, ça me faisait penser à ça quand tu D'accord, disais ça. Mais c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux nous partager autre chose? Alors du coup, tu nous as parlé de la naturo, de l'iridologie. Le Sanmudo, je prononce bien parce que je... Sanmudo. Ouais. Du coup, de l'énergétique, donc le Reiki et puis des techniques de Shiatsu, etc. Est-ce que tu as d'autres cordes à ton arc? Alors oui, mais rien à voir avec le bien-être, mais oui. D'accord. Mais parce que, non, c'est rigolo l'image, donc je le dis quand même. Oui. Mais juste pour la petite blague, parce que j'ai mon CQP tir à l'arc, je suis animatrice tir à l'arc, donc c'est juste pour le côté... D'accord, je vous jure, je ne savais pas avant de faire la vidéo. C'est vrai, non, C'est rigolo que j'ai utilisé cette image, d'accord. Oui. Ok. Donc ponctuellement, mais encore ponctuellement, par exemple pour l'école d'Okoen dont je dépends, puisque je continue à me former, hein, j'avance dans les Dan en fait, il y a des Dan en Sanmudo. D'accord. Eh bien, on fait un camp d'été avec les élèves du Taekwondo et j'anime le tir à l'arc pour l'école d'Okoen pendant cette semaine du camp d'été. Ok. Voilà. J'ai moi-même fait du tir à l'arc étant jeune, en camp de vacances. Enfin, au camping, quoi. Ouais. Et j'ai passé ma flèche bleue. Ah, j'ai eu l'occasion de passer ma flèche bleue. Voilà, j'aimais beaucoup le tir à l'arc, ma petite sœur, en fait. Aussi. Mais c'est une super... En fait, il faut être centré et mental calme. Donc là, je retrouve dans la pratique du Sanmudo, c'est mental calme. Le grand maître nous dit que tu sois en train de faire des coups de pied, un enchaînement martial ou une méditation. À l'intérieur, ça doit être pareil. Ouais. Donc, c'est la base. Oui, c'est intéressant comme pratique. Et justement, du coup, est-ce qu'il y a peut-être des contre-indications dans les pratiques que tu proposes? En naturopathie, on tient toujours compte si la personne arrive avec un traitement médical, des médicaments, pour ne pas faire de doublons ou d'impair avec les remèdes ou conseils de plantes ou de compléments naturels. Bien évidemment, on en tient compte. Okay. Mais sinon... tout le monde, même du nourrisson, maman allaitante, future maman enceinte, adulte, enfant ou même senior, voilà, tout le monde peut venir à la naturopathie et trouver des solutions. D'accord. Le Sanmudo, c'est pareil, mais les cours, voilà, parce qu'il y a des adultes, ils sont ouverts à partir de 8-10 ans. Voilà, d'accord. On voit un petit peu comment... Mais du coup, tu mixes Ah, mais c'est possible, oui. Okay. Alors ça, c'était très drôle en visio, quand j'ai fait les visios. Justement, les enfants étaient là, les gens étaient chez eux. Donc, et il y avait les familles qui pratiquaient ensemble. Et ça, c'est drôle parce que du coup, ça a amené les enfants à observer. Mais il fait quoi, papa, là? Et en fait, les enfants étaient très récepteurs, en fait. Enfin, très enthousiastes. Oui, en général, les enfants, il en faut pas beaucoup. Il y en a une, elle avait même fait un t-shirt avec écrit un des élèves me dit, attends, regarde, elle a fait un t-shirt, elle le portait, elle a marqué Sanmudo derrière. Elle était vraiment à fond. C'est bien s'ils ont cette ouverture. Ouais. Bah, ils sentent que ça fait du bien, quoi. Ouais. Parce que ça aussi, en fait, en médecine asiatique,
il y a 5 piliers pour selon eux, hein, de la santé. Le premier, effectivement, c'est l'alimentation. On en revient toujours, la diététique. Le deuxième, c'est la pharmacopée, l'usage de plantes, de remèdes naturels. Le troisième, c'est de recevoir un soin régulièrement sur les méridiens, donc acupuncture ou shiatsu. Donc ça, je le fais avec l'énergétique asiatique. Le doin, ça c'est le prochain truc que j'aimerais faire, mais donc c'est l'auto-acupression. Savoir que quand on a un point douloureux dans le corps, à coup sûr, on est sur un point de méridien. Oui. Donc ne pas hésiter à aller avec le pouce sur les expires, en pression. Mais après, il y a des le doin, c'est ça se pratique aussi, ça se transmet. Et donc, le dernier, c'est d'avoir une pratique corps-esprit. Donc, comme le Son Mudo, par exemple. D'accord. Parce que dans le Son Mudo, on voit aussi que dans certains étirements, certains retenues de respiration ou dans certaines postures, on étire les méridiens. On parle du centre d'énergie. Oui, avec les étirements déjà, tu amènes. D'accord. Ok. Même parfois dans la gym zen, ça commence par le gros pouce qu'on est censé bouger comme ça. C'est ce qu'on fait. On sait que là, il y a les départs du méridien foie et rate de pancréas. On les travaille donc. D'accord. En fait, il y a toujours. Okay. Ça a du sens en fait. Ouais. Oui, de toute façon, on fait jamais rien par hasard. C'est finalement. Et puis voilà, poser en respiration, l'écoute du corps, l'écoute de soi, enfin. Voilà, si on a ces 5 outils-là, en toute logique, voilà, on est dans l'équilibre de santé. Oui, mais du coup, c'est intéressant parce que toutes ces pratiques, toujours pareil, ça vous permet d'aborder tous les plans, le plan physique, le plan de l'alimentation, mais le côté émotionnel, et puis c'est adapté, l'iridologie, ça permet vraiment de l'adapter à vous, votre terrain, à vous, qui vous êtes, votre personnalité, les risques, voilà, c'est vraiment du sur-mesure, donc c'est vraiment intéressant, c'est une pratique qui est complètement... différentes, même si on a des similitudes pour le coup avec le côté énergétique, mais c'est vraiment des casquettes différentes et qui peuvent aussi vous aider à mieux comprendre tout simplement qui vous êtes et peut-être qu'il y aura des choses qui vous parleront, que vous aurez envie de tester. Donc je vous invite du coup fortement à aller voir t'as un site internet, il me semble, donc de toute façon, je remettrai toutes les coordonnées d'Emmanuel dans la description de la vidéo. Donc, vous aurez ses coordonnées de contact, donc téléphone, mail, son adresse, son site internet. Tu es sur les réseaux sociaux aussi. Oui, hein, Insta, page, Facebook. Donc, voilà, on remettra tout ça. Comme ça, voilà, si vous avez envie de tester sa pratique, vous voyez, elle fait même du Son Mudo à distance par visio. Donc, même si vous n'êtes pas en région parisienne, vous pouvez aussi vous mettre à pratiquer, avoir... une activité physique qui vous permette de vous recentrer en fait et vraiment d'avoir, comme tu dis, cette approche corps-esprit. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, il y aura tout ça dedans. Est-ce que tu veux nous partager autre chose? Est-ce que tu as... Alors, je viens de comprendre pour les cartes. Je vais oublier, je fais du massage à main. D'accord. Sur chaise. Ah oui, il me semblait bien que... Oui. D'accord. Et ça, dans les salons ou en cabinet aussi, hein, ça arrive, mais... plus sur le lieu de travail, lors d'interventions à l'extérieur. D'accord, okay. C'est un massage qui agit sur les méridiens. Donc, le but, c'est de relaxer, d'étendre et dynamiser. Il y a une phase de dynamisation à la fin. Mais en un temps court, c'est un kata, c'est un enchaînement précis. D'accord. Donc, c'est 15-20 minutes. Ah, oui. Après, on peut l'adapter. Je me souviens être intervenue lors d'une journée bien-être pour le personnel d'une crèche à Évry. C'était 10 minutes par personne. Parce qu'il y avait d'autres soins, enfin d'autres séances à faire. Donc voilà, à adapter, mais on apporte le bien-être sur le lieu de travail souvent. D'accord, oui, c'est intéressant. Mais ça peut se recevoir en cabinet. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui se dit sur ma pause déjeuner, j'ai besoin d'un temps, et ça peut être sur une semaine, ou une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, enfin peu importe, ça se fait aussi en cabinet. D'accord. Ok, bon bah voilà. Voilà, mais je crois que c'est bon, je fais le tour. Ok, bah je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé ce temps, d'avoir pu présenter du coup à ma communauté tout ce que tu peux faire. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir Emmanuelle, en tout cas à prendre conscience de tout ce qu'elle peut vous apporter, à découvrir son univers aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions, toujours pareil, que ce soit à moi ou à Emmanuelle, hein, peu importe, vous pouvez les mettre tout de suite là dans les commentaires de la vidéo. Emmanuelle pourra aussi vous répondre, même si c'est sous ma vidéo. Voilà, s'il y a des questions pour Emmanuelle, c'est elle qui répondra. Donc voilà, je vous invite fortement à lui poser vos questions. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou la contacter par mail directement si c'est plutôt de la sphère privée, vous n'avez pas envie que ça se voit forcément sur YouTube, on peut comprendre. Donc voilà, faut pas hésiter à utiliser le canal qui vous parle le plus. Voilà.
Et puis bah du coup, il me reste à vous souhaiter une très très belle journée, à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos. Alors vous le voyez sur ma chaîne, il y a des playlists différentes sur l'alimentation, le corps, le développement personnel. Et du coup, maintenant, vous retrouverez aussi des vidéos où je vous présenterai eh bien d'autres thérapeutes avec plein de techniques différentes pour vous permettre, toujours pareil, de vous ouvrir l'esprit, ouvrir le champ des possibles. Voilà. Merci encore. Merci à toi. À très bien. Vite. Oui. Et pour vous, bah, à bientôt sur la chaîne. Salut. Au revoir.